Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 13 avril. L'amour n'est pas un devoir. Quand l'amour est là, il ne saurait être question de devoir. Quand on aime sa femme, on partage tout avec elle. Les biens, les problèmes, les angoisses, les joies. On ne domine pas. On n'est pas l'homme et elle, la femme qu'on utilise et qu'on répudie, sorte de machine à engendrer, qui est là pour perpétuer notre nom. Quand l'amour est là, le mot « devoir » disparaît. Seul celui qui n'a point d'amour dans le cœur parle de droit et de devoir. Et dans ce pays, les droits et les devoirs ont remplacé l'amour. Les règles sont devenues plus importantes que la chaleur et l'affection. Quand l'amour est là, le problème est simple. Quand l'amour est absent, le problème se complique. Quand un homme aime sa femme et ses enfants, il ne peut jamais en aucun cas penser en termes de devoirs et de droits. Sondez, vous, messieurs, le fond de votre cœur, de votre esprit. Je sais que vous ne faites que rire de tout cela. L'une des astuces des gens irresponsables est de tourner les choses en dérision pour mieux les fuir. Votre femme ne partage pas vos responsabilités. Votre femme ne partage pas vos biens. Elle n'a pas la moitié de tout ce que vous avez. Parce que vous considérez la femme comme un être inférieur à vous, comme un objet sexuel à garder en réserve, à utiliser à votre convenance quand votre appétit l'exige. C'est ainsi que vous avez inventé les mots de droit et de devoir. Et quand la femme se révolte, vous lui lancez ces mots à la tête. Seule une société statique, décadente, parle de devoir et de droit. Si vous sondez vraiment vos cœurs et vos esprits, vous découvrirez que vous êtes dénués d'amour.